Alors, nous sommes réunis cet après-midi pour vous parler du projet Holotisme. Je suis Thomas Klein, le directeur d'Actimage Paris, et je vais laisser ma collègue se présenter. Bonjour à tous, je suis Sophia de Séguin, donc responsable du projet Holotisme. Donc, on représente la société Actimage. Actimage est une société qui est spécialisée dans la transformation digitale. On est présent dans différentes régions. Donc, comme indiqué, nous sommes présents à Paris, également en Alsace, en Allemagne, au Luxembourg et également aux États-Unis. Nous avons réalisé un certain nombre de projets de RDI, Research Development and Innovation, et finalement le projet Holotisme s'inscrit dans cette tradition. Alors, comment est né le projet Holotisme? Quelle a été finalement la genèse de ce projet? C'est parti en fait d'échanges très simples, très informels avec les éducateurs, éducatrices spécialisées qui sont dans le quotidien avec les enfants autistes. Ils sont partis d'un constat qui était que la technologie était extrêmement bien appréhendée par les enfants. C'était une bonne base d'échange et de communication avec les enfants et ça pouvait créer une interaction positive. Il faut savoir que les tablettes de type iPad et autres ont fait leur entrée dans les centres d'accueil pour autistes il y a déjà quelques années. Nous, de notre côté, côté Actimage, on travaille dans la réalité mixte depuis quelques temps et nous avons appréhendé un certain nombre de projets, principalement dans le milieu de l'industrie, et on s'est un petit peu interrogé, est-ce qu'il y aurait finalement un intérêt à proposer cette technologie dans le milieu de l'autisme? Alors, au-delà du challenge technique, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça peut vraiment faire une différence? Alors, à la vue de l'affluence dans la salle cet après-midi, je peux dire avec certitude qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont, dans leur contact direct, des personnes qui souffrent de TSA, donc troubles du spectre autistique, parce qu'en France, ça représente une naissance sur 100. Dans certaines régions du monde, on considère même que c'est une naissance sur 65. Comment se définissent les TSA, troubles du spectre autistique? Alors, la définition qui fait un petit peu consensus dans le milieu reprend trois points. Le premier point, ça concerne les troubles de la communication. Le deuxième point, ça va concerner des intérêts très spécifiques de la personne sur des sujets identifiés, l'intérêt restreint. Le troisième point, ça va concerner la difficulté à appréhender les codes sociaux. Holotisme, la réponse de l'autisme, ça va être effectivement de développer l'autonomie de cette population en essayant de répondre à ces problématiques. Merci. Voilà. Donc, on a utilisé la réalité mixte pour créer des environnements contrôlés, des environnements maîtrisés, des environnements qui sont sûrs pour les enfants. Un des intérêts de la réalité mixte, ça va être l'ancrage fort avec le réel par rapport à la réalité virtuelle. Et cette notion de répétition dans les différentes séquences qui vont être identifiées, qui vont permettre véritablement de tendre vers un apprentissage pour les enfants. Voilà ce que je voulais vous dire pour poser un petit peu l'environnement sur les problématiques de TSA, pour vous présenter un petit peu l'esprit de la démarche. Je vais maintenant laisser la parole à Sophia pour vous présenter le projet plus dans le détail. Merci. Donc, notre objectif avec Holotisme est de construire une solution qui soit adaptée. Donc, comme Thomas vous l'a dit, il y a une grande variété dans les profils, dans le spectre autistique. Donc, on parle d'un phénotype autistique extrêmement varié. On le voit sur le graphique qui est derrière moi, c'est-à-dire qu'il y a différents profils, depuis des formes d'autisme avec un handicap intellectuel assez marqué, jusqu'à des formes d'autisme qu'on appelle de haut niveau, avec des profils Asperger. Il y a certains autistes qui souffrent d'hyperactivité, d'autres d'hypoactivité.
avec d'autres différences qui sont très marquées. Donc, notre objectif avec cette solution, c'est de construire la solution qui soit la plus adaptée, la plus modulable possible pour correspondre aux attentes, aux besoins de chaque enfant et de chaque adolescent qui sera amené à utiliser la solution. Il y a aussi ce qu'on nomme des stéréotypies qui sont très caractéristiques de l'autisme, c'est-à-dire un intérêt qui est marqué pour un domaine, que ce soit l'astronomie ou l'Égypte ancienne, les dinosaures. Et nous, ce qu'on propose, c'est pour apporter une dimension ludique à l'apprentissage, pour se familiariser avec des codes sociaux, avec l'immersion dans certains environnements, on va pouvoir avoir un game design qui est ciblé, que pourra choisir l'enfant au début du jeu, et ainsi s'amuser et avoir cette dimension ludique dans l'apprentissage au gré des différents niveaux. En dialogue avec le personnel soignant avec lequel on travaille, on essaye aussi de construire une solution qui soit respectueuse des recommandations donc des experts en santé publique et des praticiens avec lesquels on travaille pour que l'utilisation d'HoloLens, qui peut représenter une certaine contrainte, puisque c'est une technologie qui pèse 500 grammes, qui est, enfin, vous l'avez peut-être testé déjà pour certains d'entre vous ici, et vous pourrez venir la tester sur notre stand ensuite, mais ce qu'on préconise, c'est une utilisation qui soit ponctuelle de cette méthode et complémentaire avec les approches pluridisciplinaires pour essayer d'améliorer les conditions sociales et favoriser cette inclusion scolaire, familiale et pré-professionnelle pour les jeunes autistes et les adolescents, puisque cette question en France particulièrement est un véritable problème de société. Et ainsi, on essaie de construire donc, une solution qui soit adaptée avec des applications qui vraiment cible les besoins de chaque jeune apprenant. Donc notre objectif, c'est de mettre en place une solution qui soit complète. Donc d'un côté, on aura un catalogue d'applications qui vont être des applications très diverses, qui vont permettre d'améliorer l'acquisition de l'autonomie, l'acquisition des codes sociaux, la communication verbale, non-verbale, donc c'est des applications dont on est en train de définir les cahiers des charges, avec par exemple comment prendre la parole en classe dans un milieu scolaire, comment acheter du pain à la boulangerie, traverser une route, assister à une fête d'anniversaire. Bon, il y a tout un tas d'applications qui peuvent être intéressantes pour ces jeunes autistes. Ensuite, on développe donc des capteurs. Ici, ce sera un bracelet, alors peut-être qu'on réussira à les intégrer au HoloLens. Et ces capteurs vont nous permettre de mesurer le niveau d'anxiété des apprenants, puisque le but est de garder un bon game flow, qu'il y ait une certaine aisance tout de même à travers l'apprentissage. Et si on constate que le battement cardiaque est trop élevé, par exemple, ou qu'il y a une situation de stress, on pourra moduler certains éléments de l'application de l'environnement en réalité mixte. Ensuite, vous voyez ici une petite baguette. Alors, pour rendre l'expérience assez ludique, on propose notamment dans notre première application d'utiliser un stick, et je vous la présenterai juste après, mais pour aller éclater des ballons qui sont répartis dans la pièce. Et puis, une énorme partie du travail qu'on est en train de fournir, c'est de mettre en place une interface qui va permettre donc d'avoir un feedback en temps réel de ce que voit l'enfant ou l'adolescent dans son apprentissage, et ensuite d'avoir un suivi global de cet apprentissage. Et l'utilisation de HoloLens permet en fait d'avoir accès à des données qui sont très nombreuses, qui concerne le déplacement dans l'espace ou la vitesse de réaction, par exemple, pour aller vers tel ou tel élément, et qui vont nous permettre aussi de voir de quelle façon l'information est traitée, hiérarchisée par ces jeunes autistes, puisque ça reste un domaine aussi d'exploration pour la recherche, de voir comment fonctionne l'intelligence des personnes atteintes de TSA, pour voir quelle est leur compréhension du monde, qui diffère souvent beaucoup de la nôtre. Et donc cet ensemble va constituer donc la solution au autisme. Pour vous présenter un peu l'état d'avancement de notre projet, donc c'est un projet qui en est à ses débuts, à ses prémices. On a eu la chance de rencontrer des partenaires qui sont assez incroyables et qui nous soutiennent beaucoup pour travailler avec nous sur la preuve de concept. Donc côté Actimage, comme Thomas vous l'a dit, on a des compétences qui sont assez complémentaires en termes de développement, de game design, aussi des ingénieurs embarqués, des ingénieurs santé, travaillent avec nous pour développer les applications ainsi que l'interface. On travaille aussi avec Guillaume Dumas, qui est chercheur en neurosciences et spécialiste des troubles de la cognition sociale,
et avec Alban qui doit être là aussi et qui donc est prototypiste au Fab Lab et qui a travaillé pour dans la phase en fait qui précède les tests dans l'établissement de santé partenaire pour produire une impression 3D de HoloLens puisque vous le savez certainement c'est un matériel qui est assez coûteux et lorsqu'on va mettre en place les tests d'inclusion de non-inclusion pour participer à l'expérience eh bien cette impression 3D va permettre de les tester beaucoup plus aisément pour pouvoir les casser éventuellement ou les abîmer eh bien, sans problème. Donc c'est tout un cycle de vie pour cette preuve de concept. Et donc on travaille avec un institut médico-éducatif, donc l'hôpital Saint-Jacques-de-Dieuze, et le service pédopsychiatrique d'un grand hôpital parisien pour conduire ces tests et élaborer évidemment avec le personnel soignant le cahier des charges de la première application. Donc, je voudrais vous présenter cette première application. C'est une application qui s'appelle Pop Balloons. Donc, ici, vous avez une illustration qui est une vision assez artiste hein, de cette application. Donc, cette application provient, c'est une déclinaison, en fait, une adaptation d'un jeu déjà existant, qui existait un jeu en 2D avec Kinect, et qui a fait ses preuves déjà. Et donc, c'est pour nous partir sur de bonnes bases de travailler cette application-là. En fait, la pièce est scannée et des ballons apparaissent, ça et là. Et il s'agit, pour travailler ses compétences motrices, sa conscience de soi, sa conscience de l'espace, d'aller, à l'aide de cette petite baguette, eh bien, éclater les différents ballons. Et puis, au fur et à mesure lorsque la difficulté augmente, eh bien, dans les derniers niveaux, il y aura un avatar qui va lancer les ballons et qui va permettre de travailler un peu mieux ses compétences sociales, son attitude aussi vis-à-vis d'autrui, peut-être aussi par imitation, par effet miroir. Enfin, il y a beaucoup de choses à explorer. Donc, pour terminer, ou peut-être vous donner un peu des idées de la suite de ce que ça va devenir, HoloTis, on voudrait construire donc une solution de réhabilitation et d'étude à la fois des troubles du spectre autistique que nous pourrions déployer dans les hôpitaux, les centres d'accueil pour les jeunes autistes, afin de contribuer eh bien, au développement de leur capacité sociale et ensuite à leur intégration, à leur inclusion sociale. Il y a pas mal de perspectives d'avenir, enfin, on laisse faire pour l'autisme, et de développement, parce que pour l'instant, on s'adresse à une population qui est jeune, en partant du principe que les préadolescents, les adolescents, les enfants aussi, sont une population qui a même d'apprendre le mieux, qui a une capacité d'apprentissage qui est très élevée, et qui pourront ensuite rejoindre un cursus scolaire et mieux développer ses compétences sociales. Mais on sait très bien que cette solution, elle pourrait être intéressante pour une population autiste adulte, par exemple, notamment les adultes autistes de haut niveau qui peinent à maîtriser certains codes sociaux et qui pourraient, par exemple, préparer un entretien d'embauche ou préparer un rendez-vous amoureux en utilisant ce type d'application avec la réalité mixte. Pour les perspectives de développement, on travaille donc avec HoloLens qui est amené aussi à se développer beaucoup, avec un champ de vision qui sera élargi, peut-être de l'intelligence artificielle également, une solution qui est plus légère pour plus de fluidité dans l'apprentissage. Voilà, je vais redonner peut-être la parole à Thomas pour terminer. On a souvent tendance de dire que la technologie isole un petit peu les gens et renvoie les gens un petit peu à se recentrer vers eux-mêmes. Je pense que ce genre de projet tend à démontrer l'inverse. Ce projet, ça a été l'occasion de très belles rencontres, aussi bien avec les personnels soignants, les personnels encadrants, que les enfants eux-mêmes. Vous l'avez bien compris, l'autisme est un enjeu de société extrêmement majeur. Nous, on espère, en toute humilité, à notre niveau, pouvoir contribuer à donner une meilleure autonomie à ces enfants. On en profite pour remercier Philippe Trottin, qui est le référent de Microsoft France, qui nous a soutenus dès le début de ce projet. Également Stéphanie Barbier, qui est éducatrice spécialisée au sein de l'hôpital Saint-Jacques-de-Dieuze et qui est partie prenante sur ce projet. Bon, on espère avoir été clair dans notre présentation et on vous remercie beaucoup pour votre attention. Et bien sûr, on vous invite à venir nous voir sur notre stand pour essayer la première application et puis échanger avec nous si vous avez des idées ou voilà, des cas d'usage à nous proposer. On est vraiment au début du projet, donc on serait extrêmement heureux d'avoir ces échanges-là avec vous.
Et si vous avez quelques questions, on y répond avec plaisir dès à présent. Bonjour, bon, j'ai plein de questions, mais je vais essayer de me limiter. Vous avez parlé de la distribution de holotisme au sein des hôpitaux. Est-ce que ça rentrera dans le cadre du suivi assuré par les CNP ou c'est dans un dispositif différent ? Alors, la question est très intéressante. Elle est peut-être un petit peu trop avancée par rapport à l'état d'avancement du projet. Notre première priorité, première étape sur le projet, pour nous, c'est de démontrer la preuve scientifique, médicale, de l'intérêt du dispositif. Donc concrètement, comment ça va se passer ? Il y a un groupe d'enfants qui utilise le dispositif, qui utilise l'autisme, un groupe d'enfants témoins, et en respect du protocole scientifique qui a été élaboré par les pédopsychiatres, pouvoir arriver à la conclusion, donc c'est l'intuition de tout le monde, maintenant il faut le démontrer, que le dispositif permet véritablement d'améliorer les compétences des enfants qui ont utilisé le dispositif. D'accord, merci. À terme, ça viendra donc pour la partie. J'ai vu qu'il y avait plusieurs parties dans l'autisme. Une première partie viendra compléter, donc viendra aider le pédopsie, l'autre viendra aider le psychomotricien, l'autre c'est. D'accord. Tu voulais compléter ? Oui, tout à fait. Enfin, ce que vous dites me paraît tout à fait justifié dans le cas de l'autisme. Mais c'est vrai que, comme le disait Thomas, on est au début de la solution. Et la façon dont ce sera articulé dans sa globalité, on ne sait pas trop encore. Mais je pense que ce sera comme vous le présentez. Il n'y a pas de solution prévue, par exemple, pour les troubles moins importants. Enfin, moins importants. Pardon, je vais vexer personne. Pour les TDAH, par exemple. Bien sûr, c'est exactement c'est ça. Avoir un dispositif à la maison, par exemple. Ce serait tout à fait possible et on a échangé avec des médecins déjà sur ce sujet. La solution en effet serait pertinente et peut-être dans un usage aussi, dans un cadre plus familial, voire privé, ce serait tout à fait possible. En fait, juste pour rebondir sur votre point, il y a effectivement, je pense que vous l'avez compris, il y a vraiment deux aspects sur le projet. Il y a l'aspect apprentissage, compétences de façon directe de par l'utilisation et la répétition des exercices. Et il y a tout le volet qui va permettre aux équipes soignantes et encadrantes de mieux suivre les enfants. Parce qu'en utilisant le dispositif, il y a un certain nombre de données. Sophia a fait mention dans sa présentation du capteur. Il y a un certain nombre de données qui vont être récupérées, qui vont permettre de cerner, voilà, est-ce que cet enfant a bien réussi l'exercice après tant d'essais, et on va pouvoir avoir un suivi qui sera mis à disposition des équipes encadrantes et, dans un second temps, présenté par les équipes encadrantes aux parents. Pas directement, j'insiste bien, ce sont bien les équipes encadrantes qui présenteront les données, ce ne sera pas de l'information poussée en direct sans explication. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a une autre question. Ben, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci.